Oui, je sais ce que vous vous dites. Putain, m'a dit comment t'es parti en couille. C'est quoi cette intro? Bah, je sais pas, moi je me suis juste dit pourquoi pas faire une intro encore fucked up comme je faisais avant, tu vois. Enfin, qu'on va y aller comme ça. What's up, tout le monde, mon nom c'est Madi. Bah, t'as vu ça, ils synchronisent avec les rayons de soleil et tout. C'est pas cool, tu sais. Bref, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, malgré cette intro totalement attardée comme je fais d'habitude. Pour aujourd'hui, la vidéo, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où je vous Photoshop. C'était un concept que j'avais fait il y a super longtemps sur ma chaîne. Les Reels s'en rappelleront. Ils me disent, bah, je te suis depuis tes 500 abonnés, je te crois pas, espèce de menteur. Donc, je vous ai demandé sur Twitter de me balancer en fait des photos de vous que vous voulez que je Photoshop. Let's go, voyons ce qu'on peut faire. Donc pour ceux qui me suivent pas sur Twitter, allez-y. Et également parce que des fois je fais des petits concours sur Twitter, t'as vu? Comme là, t'as vu, je suis en train de faire gagner Watch Dogs 2. Yeah, le vendu. So ouais, je vais en profiter pour choisir le gagnant. T'as vu ça? 1200 retweets quand même, ça rigole pas. Bravo, t'as gagné. Voici la clé en joie. Boum, voici un heureux. Bref, maintenant que je me fais mon auto-pub de mes réseaux sociaux, allons voir en fait ce que vous m'avez envoyé comme photo qu'on Photoshop. C'est quand même le but de la vidéo aussi. Donc ouais, vous étiez genre 1 milliard de personnes à envoyer des photos de vous. Madiba, c'est moi. Rends cela un peu plus badass s'il te plaît. Attends, c'est quoi? J'ai pas compris le concept. En fait, t'étais dans une reproduction de scénario de country ou quoi? Mais ouais, je vais te prendre toi. Et en gros, ça me fait beaucoup penser parce qu'il y aura le nouveau jeu Red Dead Redemption 2 qui va sortir bientôt. Bon, vous le connaissez tous déjà. Et je pense que tu ferais une très bonne jaquette de jeu. Ouais, maintenant t'es sur Photoshop. D'abord, je vais jouer un petit peu avec les couleurs. Là, on va mettre un petit filtre comme dans le jeu Red Dead. Ils ont l'espèce de petit. C'est un peu genre un mode cartoon, tu vois. Magnifique. Là, on voit l'espèce de petit effet. Bon, je suis pas un expert clair et net, mais ça reste que ça donne déjà un petit style. Nickel. Là, on fait les contours. Magnifique. Là, je vais juste effacer tout ça. Ça, c'est la partie la plus chiante. Je pense que tous les youtubeurs vont vous le dire. C'est d'effacer tous les petits contours comme ça. C'est fucking long. Mais bon, une chance qu'il y a le montage pour vous skipper tout ça. Bah, bah, bah. Magnifique tout ça. Et là, je vais reprendre le style de Red Dead en mettant l'espèce de fond rouge avec une espèce de décor western. Ça, c'est pas mal ça. Alright, on va juste zoomer ça et crop comme Jaja. Alright, on va crop ça. Magnifique. Là, ça donne quelque chose là. Ça, je valide. Là, on va juste te replacer un peu mieux. Merde, il y avait des contours que j'ai pas fait. Là, on va rajouter un petit logo pour faire genre que c'est officiel et tout, tu vois. Red Dead Redemption 2. Ah, pour l'instant, c'est pas mal, franchement, je vais pas vous mentir, je suis quand même fier de moi pour l'instant. Bon, pour rendre le truc un peu plus réaliste, parce que c'est quand même une jaquette d'un jeu, je viens de dire que ça va être réaliste, mais ça va pas du tout être réaliste, mais je vais faire ce que Rockstar, en fait, ne font jamais par rapport au jeu de la franchise. Pour les vrais gamers, je pense que vous savez déjà ce que je vais faire avec ça. Et on va écrire à la main pour faire très réaliste encore une fois. Seulement sur PC! Oui, ça va être juste sur PC. Ils sont jamais sur PC, les fucking jeux Rockstar. C'est quoi cette merde? Come on! Là, c'est propre. J'ai rendu le truc un peu badass parce que je sais que ça va être un des jeux les plus attendus du siècle, mon gars. Red Dead Redemption 2. Je suis trop hype. Et franchement, qui est clair net quand le jeu va sortir, je vais vous faire 1 milliard d'heures de let's play là-dessus. C'est une blague, je fais pas de let's play. Mais je vais quand même jouer 1 milliard d'heures, clair net. Alright, pour le premier Photoshop, je suis quand même très satisfait. Passons au prochain. Let's do this shit. Fucking bon cette merde. Je suis pas payé pour dire ça, mais de l'OS allait acheter ça. C'est fucking bon, puis regarde le style qu'il y a sur la jaquette. Il y a 7 abonnés qui m'a demandé de le mettre sur une moto. Franchement, je suis quelqu'un de beaucoup plus fantaisiste que ça. Donc je vais te mettre sur une. Sur la moto de Batman avec une écureuil. Et pendant que vous dépassez la vitesse de la lumière. Quoi? Bon, celle-là c'est une belle moto, mais je pense pas que c'est la moto de Batman, mais on va faire avec, ok? T'as pas de plainte, ok? Je t'ai quand même donné une moto. Ça c'est chiant, effacer tous les fucking contours de cette terre. Je comprends pourquoi Prime il fait des fucking miniatures sur Paint. Final fuckingly. Maintenant c'est fini les contours. Je t'ai même mis derrière comme ça. Mais on doit mettre l'écureuil. Pour une raison que je sais pas, mais je sais pas si je vais trouver un fucking écureuil. Chercher animal sur une moto, parce que si au pire je trouve pas une écureuil, ok, ben je trouverai autre chose, tu vois. No fucking way! Magnifique! C'est quoi les fucking chances qu'il y ait une écureuil sur une putain de moto? Alright, on efface, on efface, on efface. Boom! Déjà ça paraît hyper réaliste, mon gars. Bon, bon. Alright, on va mettre un peu de motion blur et qu'il y ait du flou pour comme si vous étiez en vitesse, tu vois. On va quand même rajouter une route parce qu'il y a quand même minimum de réalisme, s'il vous plaît. C'est quand même un fucking écureuil. Bon, what the fuck is this? Oh, ok. Je me suis trompé. La vitesse de la lumière, on la met en ajout. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Là, je valide, tu vois. Non, ça, je valide pas du tout. RIP. Et bien sûr, le film Retour vers le futur m'a appris que dès qu'on passait à la vitesse de la lumière, il y avait cette fameuse lignée de flammes. Donc, on va la mettre. Let's go. Ouh, est-ce que je peux trouver des flames? Ça me semble pas mal. Et on fait le petit effet ajouté. Eh, hey, je suis trop fort. Tu voulais une moto, mon gars? J'ai dépassé toutes tes espérances. Passons au prochain Photoshop. Qui sera la prochaine victime à photoshopper? Oh, je connais lui. Eh, hey, c'est Jiraya. Franchement, je le kiffe de ouf, ce gars-là. Jiraya, si un jour, fallait que tu vois ça, je t'aime, bébé. Alright, Théo, en agent secret. Donc, tu veux que je te transforme en agent secret? Y'a pas de souci. En plus, y'a Jiraya qui fait un espèce de petit truc de gun, là. C'est magnifique, franchement. Franchement, c'est une bonne idée, hein. En Sherlock Holmes, ça va être pas mal, non? Sherlock Holmes, c'est un agent secret? Non, fuck, c'est un détective. Au pire, on s'en bat les couilles. Ça va être en Sherlock Holmes, ok? Parce que j'ai décidé ainsi. Faire des contours, c'est beaucoup trop cool. Boum, je vais lui mettre un beau petit chapeau de Sherlock. Ça fera changement du bonnet, n'est-ce pas? Finalement, bah, on va voir le
le bonnet, laisse tomber. Alright, et toi tu vas être, comment il s'appelle déjà? Élémentaire mon cher Alfred, c'est Alfred? C'est quoi déjà son nom? Élémentaire mon cher Watson, je sais pas parler. Watson, merci m'a dit. Mais Jerry par contre t'es trop tentant, faut absolument que je te rajoute un petit gun sur ton bras. Gun.png. Voilà, par fond, on va tenter de le rendre un peu plus réaliste là. On va effacer les contours des doigts ici. Ok, bon pour l'instant ça a juste l'air d'un psychopathe qui fait une demande de rançon. Mais c'est pas grave, ok. On avance. Là maintenant on va faire Watson. Ok, on va te mettre le beau petit chapeau. Quel? On va éliminer les petits contours comme ça. Là maintenant je vais te rajouter une petite moustache mon cher Watson. Parce que je sais pas, on dirait que tous les sidekicks ont toujours des petites moustaches. Boum. Maintenant on va lui rajouter un petit décor de London. Parce que Sherlock Holmes c'est en Angleterre, bien joué, t'as suivi. Hop là, bon pour l'instant ça a l'air aucunement réaliste. On dirait une photo genre ça à Disneyland avec un gros fond vert derrière là. Mais t'inquiète pas. Je vais jouer un peu avec la luminosité. On va mettre un petit noir et blanc des familles. Et surtout je vais rajouter quelques petits éléments pour faire genre saleté comme si c'était une vieille photo, tu vois. Ouais, là ça commence à devenir classe là. On rajoute encore un petit peu de saleté là. Faut vraiment que ça fasse une vieille photo, tu vois. Faut juste déplacer ça un petit peu comme ça. Eh franchement, c'est pas mal. Eh je vous ai quand même carrément transformé en Sherlock Holmes et... C'est quoi déjà son putain de nom? Watson, élémentaire mon cher. Donc ouais, franchement je suis fier de moi. Je vous ai dit que j'allais chercher toutes les photos sur Twitter. Je sais pourquoi pas aussi aller chercher les photos sur Facebook. Parce qu'il y en a plein des gens qui m'ont envoyé alors que j'ai même pas fait de post sur Facebook. Et surtout parce que ma page n'a pas beaucoup de likes. Allez liker ma page sur Facebook. Hey, en quoi tu veux que je te Photoshop, mademoiselle? On va enregistrer ta tête. En quoi tu veux que je te Photoshop? En Donald Trump. Waouh, un truc pas du tout trending. Lourd. Franchement, je te donne 10 sur 10 pour l'effort au niveau de la mise en scène. Regardez sa tête. Elle a tenté de faire pareil comme lui. Magnifique, franchement. Ah, c'est quand même un challenge, ok? Faut que je mette quand même ta tête sur la sienne. Quitte à rendre son visage orange, vaut mieux le rendre totalement orange. Donc ouais, je vais mettre juste une orange carrément sur la gueule de Donald Trump. Comme ça, il n'y aura plus de doute, il a vraiment la gueule orange. Alright, du coup, on va juste mettre sa tête ici. On efface. Juste monter un petit peu l'opacité. Ça donne quoi? Waouh, magnifique, franchement. Ouais. Et moi, je voterais pour lui comme ça. Claire, elle peut dire ce qu'il veut, je vote pour lui. On regarde juste un petit peu. Boum, pour l'instant, c'est pas du tout concluant, mais je sens qu'il va avoir quelque chose à faire avec ça. On va juste effacer les rebords comme ça pour faire le plus réaliste possible, parce que oui, c'est effectivement très réaliste. On va juste te replacer un peu plus centré. Puisqu'on est America fucking, on va juste mettre un petit drapeau derrière. Voilà. Wouh, nickel. C'est quand même le président des États-Unis, il faut que je lui rende honneur quand même. On va juste centrer le truc pour que ma miniature paraisse beaucoup plus belle. Ok, on va juste effacer légèrement les contours, comme ça paraîtra un peu mieux. Maintenant, je vais te mettre un petit small loan of $1 million. On va mettre le logo Make America Great Again, comme si c'était les petites étiquettes qu'on met sur les oranges. Là, on va faire comme si c'était pareil, tu vois. Vite fait, franchement, on dirait qu'il a carrément un bouton sur la gueule. Bon, c'est mort. On va le mettre sur le côté comme ça. Là, c'est réaliste, là. Franchement, de rien. Ça m'a fait plaisir de transformer en Donald Trump. Putain, je suis un artiste. Mais franchement, il est beaucoup plus beau comme ça. On est d'accord ou pas? Donc, bref, là dessus, ce sera tout pour cette vidéo Photoshop. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez un autre épisode, vous mettez ça en commentaire. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde et peace. I've been a king, nigga. Girls on the floor, going crazy. In a Mercedes, feeling like I'm Jay-Z. And you know we probably faded. Bitch, we celebrating. Feeling like I'm Jay-Z.